ça n'est plus imposer une éducation comme on le fait aujourd'hui, c'est apprendre à l'enfant ou permettre à l'enfant de s'élever lui-même. C'est-à-dire pas des moules formatés, mais une personnalité qui demande qu'à s'exprimer. Donc c'est leur laisser ce champ d'expression possible et d'être le tuteur pour aider la plante à pousser de manière naturelle. Voilà. Est né donc ce printemps de l'éducation pour toutes les jeunes pousses, avec Antonella Verdiani, qui est la spécialiste de l'éducation, qui en est la déléguée générale. C'est un très beau mouvement qui émerge avec des très belles énergies lumineuses, pour le coup, pour aider les enfants. Avant, il fallait créer des bons petits soldats pour partir à l'armée. Aujourd'hui, il faut créer des bons soldats économiques. Donc, on veut des enfants qu'on met dans un moule. On veut qu'il y ait de l'ordre. On veut leur apprendre à obéir. Et on veut apprendre à obéir pour arriver dans une société qui est une société compétitive. Donc, on ne veut surtout pas leur apprendre la coopération. On veut leur apprendre la compétition. Donc, très jeune, on leur apprend les notes et autres bonnes choses. Tu dois faire meilleur que le voisin. Et donc, cette éducation, qui est une éducation descendante de l'enseignant vers l'enseigné, où l'enseigné doit être en ordre, est une éducation du passé.